des retrouvailles de la collectivité d'Orunusintor-Gbadjo. C'est à Avrancourt que les fils et filles de cette lignée se sont donné rendez-vous. Objectif, rechercher les racines de leurs ancêtres, mieux connaître leur origine et œuvrer pour l'union et le développement de leur localité. Recherche d'identité culturelle et saisit aussi l'opportunité pour ouvrir la voie de la réconciliation. Le comité d'organisation n'aura pas eu les coudées franches pour gagner ce pari. Il a fallu un médiateur pour atteindre cet objectif. Ceci transparaît dans l'homélie du célébrant qui implore la clémence et invite tous les descendants à communier dans la même voie. Quant au président du comité d'organisation, il émet le vœu de voir les enfants de la diaspora s'associer à la prochaine édition. En effet, les Dorénou, Sintor-Gbadjo Alhovi et sa vaillante jeunesse attendent énormément plus d'audace et d'engagement au service d'une dynamique de développement au sein de sa communauté. Mes frères et sœurs Alhovi, je voudrais nous exhorter l'union et à la tolérance. Nous avons aujourd'hui, et plus que jamais, le devoir d'offrir à notre communauté la paix, l'amour et la fraternité. Le culte d'action de grâce a laissé place à la réjouissance populaire. Ils se sont éclatés à leur guise, tout en rappelant aux responsables, au comité d'organisation, leur mission de développement social et économique.